Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bah, bon, les gars, comme vous le savez, le grand Guadazeroi a vu le dernier clip de Rof. Bon, voilà, je suis tombé dessus. Moi, je chronique pas n'importe quel son. Je chronique que les légendes. Moi, je m'attaque aux grosses têtes. Je sais que pour vous, les grosses têtes, c'est Nino, c'est Damso, c'est Kalash Criminel. C'est tous ces gens-là. Moi aussi, pour moi, les boss, c'est Kalash Criminel et Damso. C'est ce que je veux dire. Mais je peux pas chroniquer ces gens-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, moi, je regarde la performance et la durée. Rof, il est là depuis des années. Il y a encore hier, je me suis baladé dans mon quartier. J'ai vu des mecs, ils écoutaient un son de Rof de 2004. Pleure pas, mes frères et sœurs. Gros classique de la fierté des notes, de l'album La fierté des notes. Donc c'est pour vous dire que ce mec-là est une légende. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Là, le son là qu'il a sorti, il a passé des passages où des gens ils disaient, ils expliquaient que Rof en fait, qui serait, enfin Driver le rappeur, il expliquait que Rof il serait écrit dans l'histoire du rap français. C'est une légende. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Donc moi le son là, la punchline qui m'a marqué dans le son qu'il a sorti là, il dit quoi? Ils attendent toujours ma chute. Ces fils de pute, mais moi j'attends toujours qu'ils percent. Ça c'est dans le refrain. Ou est-ce que je veux dire ou quoi? Donc je me suis reconnu dans cette punchline-là. Ils attendent toujours ma chute, fils de pute, j'attends toujours qu'ils percent. En gros, il a dit clairement, mes chers frères et sœurs, que t'as des gens, ils veulent que ce soit fini. Ou est-ce que je veux dire ou quoi? Et ben pourquoi je me suis reconnu dedans? Parce que je me dis que voilà, il y a des mecs qui veulent que Guadazeroi soit fini. Moi, je vous dis la vérité, j'ai reçu beaucoup de messages privés, Instagram, Snapchat, où des mecs qui me disent arrête, faut que t'arrêtes, arrête tes vidéos. J'ai même pas commencé, mes frères et sœurs. Ils veulent ma chute. Mais par contre, ces fils de pute, j'attends toujours qu'ils percent, comme Rofi dit. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Donc voilà, c'est une petite vidéo pour vous dire que le grand Rof, voilà, c'est. Il n'y a rien à dire. Ce mec-là, là, moi je vous dis. Bref, le grand Tonton Marcel, il avait dit Guadazeroi, il chronique que les grosses têtes. Frère. ROH2F, vous voyez ce que je veux dire ou quoi? C'est 100 000 classiques. Les nouveaux qui viennent d'arriver, c'est 3-4 classiques. Donc je peux pas chroniquer un petit rappeur de 25 ans, alors qu'il y a l'ancien qu'on appelle Rof qui sort un clip hier et qui est en train de sodomiser, même s'il fait 130 000 vues, frère. C'est 130 000 vraies vues. Les gens, ils achètent des vues, mes frères et sœurs. Je vais faire une vidéo sur ça, là. Rof, il achète pas de vues. Les gens, ils achètent des vues. Moi, j'ai des noms. J'ai des noms. Il y a des mecs, ils achètent des vues. La tête à ma grand-mère, ils font des 300 millions de vues. Tout ça, dans les 300 millions de vues, il y a même des mecs, ils achètent des abonnés. Rof, c'est du réel. Bon, voilà. Grosse force à Ousni M'Koubwa. Grosse force, mes frères et sœurs, à tout le 9-4, mes frères et sœurs. Bref, pas.